Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour m'entrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti, tant que l'autre bord de l'eau. Jeudi, nous sommes mardi 2 avril 2024. Bienvenue dans la deuxième édition du journal Créole, nous qui a présenté par Zamiou Jerry Cheristal en collaboration avec VOA Créole. Actualité sous plan international. Dirigeant organisation humanitaire World Center Chicken a annoncé yon pause après yon attaque en force israélienne yon fait sous 7 membres qui rivaient perdre la vie dans le territoire Gaza. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken rivait dans la ville de Paris en France pour faire yon chita parler ensemble avec le président Macron sous Ukraine avec conflit israélo-hamas là. Actualité à nan pays d'Haïti, nouveau ambassadeur pays États-Unis nan pays d'Haïti, Denis Hankins a déclaré li pa capable tannan pour fort pour conseil nan li même li rivé installé et puis pour que li même li capable travailler en classe avec classe politique ça pour capable retirer Haïti nan crise que li même lié jeudi. Voilà, c'est tout point ça yo ak divers l'autre nous va gagner pour nous développer pour vous. Dans journal ça, restez connecté ak nous yon façon pour capable bien informer. Yon l'autre fois encore, gros bonsoir pour nous tous et bienvenue dans développement journal Silla. Situation toujours été compliquée dans le pays d'Haïti après divers problèmes qui étaient gagnés hier. Gros jour d'intention, 1er avril là, qui pas représenté yon poisson d'avril pour la population haïtienne. Nan, mais c'était une véritable tête chargée pour tout le monde qui était trouvé en dedans territoire haïtien et spécialement sous chaîne masse côté yon latrier gang sorti tout partout pour que même yon était capable attaquer et attaquer palais national dans sens ça zami internaute te gagné yon latrier policier yon même qui était en garde qui t'a travaillé pour que yon capable et bien courir derrière zami internaute depuis ces gang qui trouvé yon pour que était capable attaquer palais national et gang sa yo qui te prend direction et l'hôpital en général que yo prend en otage ensemble avec lycée Fritz Pierre lui qui nan do palais national yo t'a attaqué palais national dans sens ça gagne tout yo prend position pour que tu capable bouler yon ti chat et j'ont regardé machine ça qui était bien blindé dans sens ça monsieur yo même après que machine nan en panne yo rivé voyer cocktail molotov sous li yo bouler et situation était pi compliqué et bagala était vraiment dégénéré nan pays d'Haïti principalement en dedans chaîne masse ayen nous va inviter pour que capable tande amis internautes comment situation li teye hier en dedans chaîne masse. Voilà, c'est comme ça la situation présentée au niveau de Chaîne Masse. Coup de balle à chanter dans tout le coin. Voilà. Quel? Pile coup de balle. Vas-y. Enquête. Nous allons quitter tête pour nous prendre. Nous allons quitter tête pour nous prendre. Tellement de coups de balle qui ont tiré, nous allons quitter tête pour nous prendre. Nous allons enlever. Voilà, c'est comme ça la situation liée au niveau champ de masse, périmètre ça.
pièce moun pat capable et bien mettez pied en dedans après que nèg sa yo même yo été décidé attaquer par les national pour que te capable prendre pour me prendre en otage. Et dans même circonstance ça tout gagnent un ancien rebelle là qui c'est Guy Philippe lui même qui était annoncé pour que capable pour population capable mettre quoi dehors pour manifester sérieusement pour montrer amis internautes ensemble avec tout monsieur qui dit au même a fait couler cette tête ça qui au même yo sorti pour capable et bien pour sous ces populations, demander pour que les populations soient capables de mettre le corps de yon, manifester pour journée 2 avril, jeudi, qui c'est mardi, jeudi. Il gagne tout après gros annonce Guy Philippe lui-même l'été fait, il m'a demandé pour toute population en soutien. Il gagne un chef gang, madame, monsieur, qui c'est Chris là, qui a dirigé Nantibois en dedans Fontamara, qui mandé avec population pour qu'il soit capable de mettre le corps de yon tout jeudi pour manifester, pour sortir libre et libre. Et il a un gros rassemblement qui t'a fait jeudi à partir de 10h pour que vous-même soyez capable de sortir à manifester et inviter pasteur, prêtre, vaudouisant, toute qualité de monde qui gagne pour que vous capable de sortir dans la ria pour que vous-même soyez allé manifester pour vous dire monde que vous-même vous voulez et c'est lui-même pour que vous-même soyez capable de faire. Nous allons inviter capable de tendre et bien Christ lui-même qui t'a invité toute population pour sortir, venir manifester pendant ce temps lui-même, il t'a tendu en dedans Fontamara. Bonjour, bonsoir à toute population haïtienne. Je salue tout le monde. Diaspora. Nabdi Moun Tiboua, Fontamara. Mon village. Mon Gravine. Belle Cité Soleil, La Saline. Wav Jérémy. Mon La Plaine. Mon Douya Cité Soleil. Mon tout bloc, toute zone. Mon en province Okaï, Jérémy, Tigouave, Léogane, Jacques Mel. Tout peuple haïtien a dit mobiliser pour demain si Dieu veut mardi. Qui c'est 2 avril. N'attend tout le monde sous place Fontamara. N'attend tout le monde vaudouisant l'évangile catholique, n'attend tout le monde. La grosse mobilisation qu'a fait n'attend tout le monde, tout bloc, toute zone mobilisé pour demain si Dieu veut, mardi 2 avril. N'attend tout le monde, tout bloc, toute zone. Rara modèle, Jarara, n'attend tout le monde, net, tout le monde, tout bloc, mon kafou, mon Léogane, Mergé, Grissier. Ça, c'était chef gang Tibois qui trouvait l'un de Fontamara, qui c'est Christ là qui t'a demandé à toute population pour sortir et bien capable à le mobiliser dans ce sens-là, capable à porter coller ensemble avec un ancien rebelle qui c'est Guy Philippe. Bon. De l'autre côté, amis internautes, on a gagné un nouveau ambassadeur pays d'Haïti qui c'est Denis Hankins, déclaré il pas capable de tenir pour conseil de transition ça lui-même il capable de camper pour l'installer parce que lui-même il besoin créer tout moyen nécessaire pour qu'il capable aider Haïti à sortir dans ça qu'il même hier jeudi là dans crise politique ça qui a plongé pays d'Haïti. Et ben lui-même lui montrer après une rencontre qu'il fait ensemble avec Michel Patrick Boisvert qui c'est nouveau premier ministre AI qui remplacé Ariel Henry pendant que lui-même lui dans camper loin. Et bien premier ministre lui-même de concert ensemble avec quand nouveau ambassadeur américain Denis yo pral travay pour comment qu'il capable aider population haïtienne nan asouci nan sa que li même lié jodi an la. Yo l'autre côté madame mademoiselle et monsieur qui est nouveau président pays Sénégal là qui par l'autre qui c'est Dorissou Diomaye Faye, et bien lui-même que jodi a lui-même qui prête serment dans pays Sénégal comme nouveau président. Il un président 44 ans, c'est 5e jeune président et c'est président qui plus jeune dans toute président Sénégal lui-même. Li gagné et bien président Afrique de l'Est lui-même, je dis non seulement le prête serment et il fait qu'on est le déclaré, il jurer pour que lui-même il capable
capable aider Sénégal à un pays qui très prospère et pour capable avancer et surtout dans moyen économique pour comment qui capable aider pays ça à arriver plus loin que en série de l'autre pays qui trouvé en Europe. Et bien même président Diomaye li avancé pour le faire comprendre, li juré tout qui capable aider tout le monde qui a vivant en dedans de notre territoire comme africain, comme sénégalais, pour qu'ils même yo capable d'arriver, avancer et capable de prospérer dans tout ça qui même y a entreprendre. De l'autre côté, madame, mesdemoiselles et messieurs, gagné secrétaire d'état américain Anthony Blinken lui-même jeudi a qui arrivé dans ville Paris pour que lui-même il était capable faire un chita parler ensemble avec un président Macron en dedans la France. Et bien lui-même a rencontré ça pour qu'il était capable chita ensemble sous question Israël, sous question Ukraine, ensemble avec un conflit qui gagne entre Israël et Hamas là pour que Gessa lui-même il était capable obligé camper parce que gagne trois monde qui arrivé perdre la vie dans Gessa et surtout on qui était commencé le 7 octobre 2023 qui s'est année passée yon latrier moun kidnappé yon latrier moun mouri et bien secrétaire d'état lui-même est obligé mettre colle de yo pour faire tout ça qui dépend de lui pour être capable rencontrer ensemble avec président Macron pour chita parler sous dossier si là gagné tous amis internautes et question accord 21 décembre ça lui-même qui pas décidé pour que capable gagner yon ça qui est le conseil présidentiel en transition, il a décidé pour que capable aller rencontrer CARICOM et voyer une lettre spécialement André Michel, Marjorie Michel ensemble avec Edmond Suplice Bozil qui écrit une lettre à CARICOM pour demander pour que président soit capable de sortir directement en dedans coup de cassation. C'est le moyen qui capable aider pays à arriver dans un point pour comment que pays à lui-même est capable d'arriver au sommet. Et bien premier ministre Ariel Henry lui-même qui attend pour que une série de papiers capable arriver joindre pour comment qu'il capable publier dans le moniteur et que capable arriver joindre amis internautes moun qui pour présider et pour président dans pays d'Haïti pour organiser élection dans pays ici là. Il y a un dirigeant organisation humanitaire World Center Tikchen lui-même li annoncé yon pause après yon attaque force israélien même yon vin touye 7 membres pour eux même. Et bien dans ça dans territoire Gaza situation li paraît extrêmement compliquée et 7 moun sa qui rive mourir c'est dans c'est différentes nations tant qu'ou gagné nation tout qui gagné qui a plusieurs nationalités, tant qu'il y a un citoyen qui a une nationalité américaine ensemble avec un canadien, il tout il arrive perdre la vie non sans ça bagarre était vraiment extrêmement compliqué tout côté madame mademoiselle et monsieur en dedans territoire Gaza. Voilà, c'est tout pour ça yo activiste l'ot nous t'est arrivé développé pour dans journal ça, rester connecté avec nous de façon capable toujours bien informé entre-temps nous-mêmes, nous monde qui t'a présenté journal là, c'est des amis ou Jerry Cherestal, n'a quitté ensemble avec confrère nous yo, Viro Acréole pour plus de détails. Avec ma grand programme de mine actualité, responsable organisation humanitaire World Central Kitchen annoncé une pause après une attaque force israélienne yo tué 7 membres li dans le territoire Gaza. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken arrivé dans la ville de Paris, en France, côté la fête à parler avec le président Emmanuel Macron sur l'Ukraine avec le conflit Israël-Hamas. Et puis en Haïti, nouveau ambassadeur américain en Haïti, Dennis Hankins, déclaré qu'il n'est pas capable de temps pour le conseil présidentiel installé et puis pour le travail à la classe politique et société civile pour résoudre la crise. Une autre fois encore, on a salué tout le monde. Nous remercions le fait que vous toujours brossé avec nous, toujours fidèle, comme d'habitude. Et bien, on a commencé avec l'actualité dans le pays d'Haïti. Côté de la justice, en ville Cap-Haïtien libéré, youtubeur américain d'origine libanais, Addison Pierre Malouf. La police a arrêté et dans un moment, il a cherché quitter le pays à saint pas de pays, une machine, il était loué avant gang armé 400 Maozo, te kidnappé, Gérard Maxilo. Donc effectivement paquet matin qui c'est mardi 2 avril 2024 recevoir un dossier, recevoir plusieurs dossiers et il y en a un il concernait dossier Malouf Addison Pierre. Bon nous même c'est dans tout dossier nous traiter de manière professionnelle. Nous garder dossier à qui s'allier, nous avec plainte déposée.
Mais là, nous avons analysé le dossier, nous voyons que c'est un particulier qui a eu un problème quelconque avec un autre particulier pour une question de location de véhicule. Donc, c'est une machine qui était louée et que la machine lui-même n'était pas capable de remettre. Parce que le locataire, là, maintenant qu'il a loué la machine, depuis le premier jour de la machine, il dit qu'il était kidnappé avec la machine. Que la machine s'est dans la zone où il était kidnappé, là, il va retourner. Donc, les gens sont retournés pour prendre l'avion pour aller, mettre la machine, t'es obligé. Faire manœuvre pour coincer monsieur, intercepter pour qu'il te remette la machine. Bon, c'est comme ça que nous avons trouvé le dossier. Depuis, il y a des dégâts, un peu de sensation qu'a fait, un peu d'émotion dans les médias, mais nous-mêmes, nous venons de dossier normalement avec la police. Nous gardons, nous, un dossier qui paraît simple comme bonjour. D'ailleurs, nous traitons et nous classons sans suite. Dans la mesure que tous les deux parties sont très satisfaits de la décision que nous prenons. Donc, Addison Malouk, bien, Kounia là, il est libre de tout mouvement. Donc, il a fait dimanche Kounia pour le siège une place à bord d'un avion qui a quitté la ville Cap Haïtien pour entrer aux États-Unis. Laisse ça va possible parce que il y a seulement un seul vol qui quitte Cap Haïtien Kounia pour aller aux États-Unis. Pas un vol qui sortit aux États-Unis en tant qu'American Airlines. Et gain Spirit Airlines, gain JetBlue, et bien même annoncé pour qu'on y a là vol est totalement campé en attendant que la situation résoudre dans le pays d'Haïti. Nous parlons dans l'autre nouvelle, nous parlons plus loin que ça, responsable d'une organisation humanitaire annoncé une pause dans l'activité l'étape menée dans le territoire Gaza après force israélienne et tuer 7 membres personnels. Nous parlons de Michel pour plus de détails. Groupe aide créé les cuisines centrales mondiales, qui gentinon en anglais WCK, dit jeudi médian, yon frappe israélien touye 7 employés dans Gaza, et que groupe la campé sous travail tout de suite dans la région. WCK dit, dans une déclaration, cuisine centrale mondiale dévastée pour confirmer la mort 7 membres équipe noire, dans une frappe force défense Israël dans Gaza. Équipe WCK a voyagé dans une zone côté conflit et fin passé, et équipe la dans deux autos blindés avec une machine qui pâte blindée, qui démontrait le logo groupe là. Malgré nous coordonner tout mouvement avec force défense Israël, convoi te prend frappe pendant le tap quitté dépôt d'Air Al-Bala. Côté équipe là, te fait débarquer 100 tonnes d'aide manger humanitaire qui t'arrivait joindre nous sous la mer. Parmi les gens qui mourent, il y a un Palestinien, un citoyen Australie, Pologne, Grande-Bretagne, et un monde qui a une double citoyenneté américaine et canadienne. C'est ça, le groupe l'a dit. À la tête cuisine centrale mondiale, la Erin Gore qualifie l'attaque-là comme impardonnable. Il dit, c'est pas une attaque sur WCK, c'est une attaque sur toute organisation mondiale qui a aidé dans une situation grave, côté manger a servi comme âme la guerre. Porte-parole de l'armée Israël, vice-amiral Daniel Hagari, dit « Nous avons repassé l'incident dans le pire niveau pour nous comprendre dans quelles circonstances ça a dérivé et comment il est arrivé. Nous pourrons ouvrir une enquête pour examiner un incident grave, ça plus toujours. Ça pourrait l'aider nous réduire le risque pour barrer qu'on s'est jamais arrivé encore. Il y a une organisation indépendante, professionnelle, côté expert à travail, qui est le système pour joindre ça dépassé et puis évaluer les pour mener une enquête sur l'incident. Vice-amiral Hagari parlait encore pour dire « For the last few months ». Depuis quelques mois, Force défense israélienne, FDI, a travaillé en tête collée avec WCK pour aider une mission noble, qui s'est potée manger avec aide humanitaire par les gens dans Gaza. WCK a été venu aider Israéliens tout après le massacre 7 octobre. Là, a été une première ONG, organisation non gouvernementale, qui est arrivée ici. Là, travail WCK important en pile. Il y a une première ligne, groupe qui a servi l'humanité. Le ministre israélien Benjamin Netanyahu a exprimé douleur jeudi matin pour la mort 7 travailleurs WCK. Dans un incident, il considérait tragique côté Israël pas de fait esprit. Mais il dit ça compte fait dans la guerre. Serge François Michel, VOA Creole. Merci Serge François Michel. Nous allons aller en Europe, parce que nous allons dans la ville de Paris, côté secrétaire d'État américain Antony Blinken, trouver dans la ville de Paris, côté Ligue pour rencontrer, entre autres, avec le président français Emmanuel Macron, pour discuter des questions qui viennent pour la guerre entre l'Ukraine avec la Russie, et puis conflit israélo-hamas, Sandra Le Maire.
Secrétaire d'État américain Anthony Blinken rencontrait Tokayev Francely Stéphane Séjourné dans ville Paris jeudi mardi. Permettez-moi d'abord d'exprimer notre condamnation ferme à la frappe israélienne qui a conduit à la mort de 7 humanitaires de l'ONG World War Central Kitchen. La protection du personnel humanitaire est un impératif moral et juridique auquel tout le monde doit se tenir. Séjourné exprimait condamnation pour attaque israélienne qui causait la mort 7 employés organisation charité World Central Kitchen dans Gaza. Parmi les travailleurs qui mourent, lundi, tu as gagné 3 citoyens britanniques, un australien, un polonais, un qui a gagné double nationalité américaine et canadienne, et puis un palestinien, d'après documents l'hôpital. Blinken t'a décrit travailleurs saillants tant qu'héros. Les victimes de yesterday's strike join a record number of humanitarian workers who've been killed in this particular conflict. Les victimes attaquent Yayo rejoignent une quantité record de travailleurs humanitaires qui mourent dans le conflit, ça en particulier. Mounsayo, c'est héros. Ils ont couru dans la direction du feu, au lieu de courir pour lui. Ils ont représenté la meilleure qualité de l'humanité qu'a offrir. Le barrage est vraiment difficile. Il faut que nous protégions. Blinken fait qu'on est tout, États-Unis a travaillé de jour en jour pour effectivement empêcher le transfert d'armes et matériaux dans la Russie, pour empêcher la guerre Ukraine prend plus ampleur. Puis bonheur dans la journée, Blinken a visité un factory d'armes dans Versailles, ensemble avec le ministre de la Défense français Sébastien Lecornu. Après ça, il a visité le quartier général UNESCO, Agence des Nations Unies pour l'éducation, sciences et culture. Visite a été déroulée 9 mois après les États-Unis ont rejoint l'agence. Il a fait et attendait avec la directrice générale, là, Audrey Azoulay. C'est bien d'être à l'UNESCO. C'est bien pour les États-Unis d'être à l'UNESCO. Les dit, c'est un plaisir pour me tourner UNESCO et les États-Unis comptent membre UNESCO encore et puis membre commission exécutive là. Moi connais et moi déjà ouais que gain en pile bagaille nous qu'a fait avec UNESCO par rapport avec un agenda qui est essentiel pour mon tout partout dans le monde là. UNESCO qui gagne 193 pays membres joue un rôle important dans l'établissement standard pour intelligence artificielle et éducation sous technologie. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et puis pour supporter New York et capman de nous côté Jacqueline, ben a dit que Jacqueline a tourné ou il t'a dû tourner demain mercredi 3 avril là si tout va marcher bien mais la pour tourner quand même et la pour tourner vite dans place du côté que c'est le cap présenter nous et édition et VOA Creole. L'après-midi. Nous voyons une autre nouvelle. Nous avons dit que, en plus de ça, le nouveau président Sénégal a prêté serment mardi 2 avril là, dans la capitale là, Dakar, côté l'IPOMET pour lui mettre le pays sous stabilité avec progrès. Serge Rodriguez. Monsieur Bassirou Diomaye Diaha Faye est élu président de la République du Sénégal. Candidat opposition Bassirou Diomaye Faye, qui était passé un temps en prison et qui remportait l'élection présidentielle Sénégal avec un seul coup de clé, et bien, il prêtait serment jeudi mardi 2 avril là comme chef d'État nation Afrique de l'Ouest là. Il est 5e et puis jeune leader qui jamais monté sous pouvoir dans Sénégal. Monsieur Faye promet peuple là pour rétablir stabilité et puis pour porter progrès économique dans le pays. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et les lois. Nouveau président Sénégal là, qui a 44 ans, c'était un ancien inspecteur taxe qui remportait une coquine victoire devant rival Amadou Ba. Malgré appui, rival ça a été joint bon côté coalition parti au pouvoir, président Macky Sall. Victoire ça a reflété l'espoir 18 millions Sénégalais qui voulaient un changement dans le pays. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens de prêter devant Dieu et devant la nation
en votre présence. M. Faye dit qu'il comprend la signification bulletin vote qui a la possibilité qu'on y a pour diriger le pays Sénégal. Je suis conscient que les résultats sortis des urnes expriment un profond désir de changement systémique. À travers mon élection, le peuple sénégalais s'est engagé dans la voie de la construction d'un Sénégal juste, d'un Sénégal prospère, dans une Afrique en progrès. Cérémonie prestation serment Jordi Madiat est déroulée en présence plus passée en douzaine chef d'État que représentant régional, parmi le président Nigeria Bola Tinubu, président pays Ghana Nana Akufo-Addo, et même à la tête de la branche africaine Commission européenne Moussa Faki Mahamat. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Dans le pays d'Haïti, réaction négative après même accord 21 décembre, mandé CARICOM pour les camper sous démarche mise en place conseil présidentiel là, ou dans Toussaint. Plusieurs structures organisationnelles, parmi eux comité 100% diaspora et résistance pour Haïti, exprimer des accords par rapport à correspondance qui pourrait signature mettre André Michel à quelques autres membres signataires. Accord 21 décembre 2022, qu'elle joigne CARICOM pour demander faire bac sous démarche mise en place conseil présidentiel transition, hein, dans objectif pour choisir un juge dans cour cassation de préférence. Professeur Patrice Célestin, qui est secrétaire général résistance pour Haïti, dénoncer à critiquer équipe accord 21 décembre 2021 et faire connaître que l'ICAMP est derrière conseil présidentiel transition. Toute équipe qui dit à la cour de cassation, on va chacun bon juge, et ça va comme un boyau. Équipe 21 décembre, non? Il le président de la Cour de cassation. Là, nous prenons, on l'autre frange, donc on a pris, on l'autre organisation, on a prôné ça tout, il y a même, on l'autre juge. Chaque n'a dit un juge, bah, mais je dis à la société, hein, masse critique l'a déjà formé. L'a formé à travers conseil présidentiel qui est 7 membres votants et puis 2 membres observateurs. Je dis à pas de route, pas bois. Qu'il pleuve, qu'il tonne. Conseil présidentiel, ça, qui forme masse critique là, qui forme ça, l'inclusivité là, c'est lui-même qui parle mener rail pays là, environ de 18 à 24 mois, pour pays là, une stabilité économique, sécuritaire et politique pour l'élection. Équipe signataire accord 21 décembre 2022, dit que c'est coup cassation qui a bon, malgré yo gagné yo représentant dans le conseil présidentiel. Cette même, Banco de Pal, Jacques Gary, qui est directeur interne comité 100% diaspora, plaidait en faveur installation ancien sénateur élu Grandens Guy Philippe dans le palais national pour corriger la situation. Même que vous avez dit Guy Philippe, c'est on dit les deux droits qu'il y a. Même que vous avez dit Guy Philippe, c'est un volet qu'il y a. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire Guy Philippe. Il est important pour nous comprendre qui est le peuple à voulait et qui est le monde qui est sorti du pays. Dans l'état de crise difficile, je vous dis, il n'y a pas l'autre moyen. On nous confie pour nous, ensemble avec le peuple, pour nous voir comment nous sommes capables de changement pour toute nation, changement pour tout le pays, changement pour le département et changement tout pour tous les messieurs, parce qu'en pile fois, en pile nous, nous manipulons. Pendant ce temps, coalition politique Réveil National proclamait ancien sénateur élu Grandens Guy Philippe comme président d'Haïti. Wena Toussaint, pour VOA Creole. Port-au-Prince. Dans l'autre programme de l'actualité, à nouveau ambassadeur américain en Haïti, Dennis Hankins, exprimé espoir que le pape prend trop de temps pour le conseil présidentiel à installer. Nous allons joindre Emmanuel pour plus de détails. Nouvel ambassadeur américain dans le pays d'Haïti, Denis Hanskins, rencontré Premier ministre intérimaire Patrick Boisvert avec ministre Affaires étrangères Jean-Victor Généus. Un diplomate américain dit qu'il est impatient pour remettre l'aide créance avec le nouveau gouvernement haïtien. Selon un message qui est posté sur le compte X ambassade américaine, il rapporté que deux officiels démissionnaires haïtiens ont confirmé pour l'ambassadeur américain que le gouvernement est prêt pour avancer dans la transition dès que le document conseil présidentiel transition finalisé et recevoir dans la forme finale. Toujours selon la mission diplomatique américaine dans le pays d'Haïti, ambassadeur Hanskins rivé dans le pays mardi 26 mars passé.
li content pour diriger GFOR gouvernement américain dans l'idée pour aider Haïti faire face à insécurité. Dans un communiqué qui publié bon côté gouvernement hier lundi suite à un conseil ministre, équipe gouvernementale a déclaré la travail pour une transition pacifique dans ce qui concerne les responsabilités dans le conseil présidentiel transition plus rapidement possible. Parallèlement, gang yo continue à simer la trouble dans la capitale haïtienne. La police nationale d'Haïti a repoussé lundi attaque contre symbole pouvoir politique là dans pays en palais national. Attaque ça a déroulé dans un contexte de tension sur principale place publique dans la capitale là, Chanmas, côté bâtiment trouvé. À ça yo mette di fait tout dans une machine blindée la police qui était tombée en panne tout près palais national. Dans l'intervalle, gouvernement haïtien prolongé couvre-feu jusqu'à mercredi 3 avril dans le département l'Ouest, côté capitale haïtienne, dans Trouville. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Merci Yves Manuel. Quelques citoyens, bah, opinion, sous des frappés armés qui gagnent entre la police avec gang armé qui a cherché pour contrôle. Palais national, là, Mazado Vilme. Nous avons tout, ma chanté pour quitter ça, ça pour nous. Il était environ 10 heures du matin, la police vient demander pour tout le monde qui était zone adjacente à Chanmas là. Quelques citoyens et citoyennes l'autre ça concerné expliquer qui gens ça affecté. Moi même sur ma chaîne bail glacé mienne, mettre boîte moi devant pour fonctionner et puis me lever matin hier matin, yo courir derrière nous, yo ba nous gaz, yo tirer balle sur nous, yo mandé nous pour bail chaîne masse là, m'acheter glace me fait difficile. Matin encore, nous arrivé chaîne masse là encore, nous beaucoup fait 5 gouttes pour me bail petit moi manger, pour me gérer tête moi pour manger et imagine droit bien. Yo mandé nous pour nous bail chaîne masse là encore. Actuellement là, pour n'y a pas rien vivre pour nous encore, nous chaîne masse là, c'est toujours nous c'est gaz, c'est balle, bandit a tiré, la police n'a encore pire. Mais pour qui ça c'est moi-même, la police choisit pour demander chaîne masse là. Qui ça me représente? Est-ce que c'est moi qui suis obstacle là? Ou bien c'est moi-même qui handicap là? Parce que je ne sais pas que c'est moi-même qui vient là, qui vient de défendre 50 gouttes pour me vivre, et puis c'est pour le plaisir, la police choisit m'a demandé. Ça fait qu'arriver une raison pour le protéger. Mais des fois, il ne peut pas être sous forme ça. Parce que la police connaît les gens qui sont en face de nous, connaît les gens qui voulaient marcher sur eux. Je suis en train de faire un petit pied pour me chiter, mais je ne suis pas en fin. Je suis en train de faire 11 ans, ou peut-être 4, 4, 5 ou 10 gouttes pour me manger. Puis, si je ne suis pas en train de faire demain, je ne suis pas en train de faire un petit peu. Je vois tout ça me poser des nettes dans la vie. On sait que le téléphone qui me parle à petit peu dans les États-Unis, je vois l'aile, je boule l'aile. Je ne sais pas si je encore là. Ça veut dire que quand je suis en train de faire ça, je vais tout faire. Ou est-ce que je vais bouler le caou? Ou pas manger pour manger, ou pas manger pour dormir, ou pas manger pour faire un senti caca en pays. Sauf au café. Toutefois, force de l'audio a utilisé gaz lacrymogène pour forcer les gens à quitter l'espace là. Nous lui disons coup de balle toujours à chanter dans le périmètre Chanmas là, côté nèg exam veut prendre contrôle zone palais national. Nous voulons faire connaître tout, bandi ont déjà établi base en dans l'hôpital général qui c'est plus gros centre hospitalier pays a. Comme rappel, à lundi 1er avril 2024 là, bandi ont saccagé plusieurs institutions parmi eux petit séminaire collège Saint-Martial qui dans Rilama Port-au-Prince et puis boulé plusieurs machines qui étaient dans parking l'école là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Martial Vigné, VOA Créole. Et puis, Haïtiens dans la ville de Paris manifestaient pour exprimer inquiétude face à la situation politique dans le pays d'Haïti, Franklin Guédems. Communauté haïtienne de France presque décrété la permanence. Chaque semaine, ils organisaient une manifestation pour exprimer colère contre le système qui a dégringolé le pays d'Haïti. C'est une rare fois pour gagner autant d'Haïtiens dans la communauté haïtienne de France. Là, à peu près 1 millier viennent supporter une manifestation de ras-le-bol, d'énervement de situation pays d'Haïti. En pile pancarte, tape levé bien haut pour exprimer colère. Organisateurs ont mettez toute force dehors pour exprimer satisfaction pour gagner autant de monde viennent manifester mécontentement. Manifestation bloquée plusieurs rues dans Paris, monde campé sous des rangs. La police fait mikalao pour bailler manifestants en sécurité. En pile monde qui pas Haïtiens te vin supporter manifestation à tout. Et gen moun ki sorti spécialement Toulouse vin bay participation pa yo.
Bernard. Ce chéri, qui ça mène là, je dis à la manifestation? Oh, de toute façon, nous allons arrêter la caille nous par rapport à ce qui a passé de Haïti. Si nous c'est Haïti, nous connaissons sang qui sort de saline, qui n'en sang nous, qui n'a pas coulé dans le veine nous. Donc, nous sommes capables de venir là pour nous dénoncer tout ce qui a fait en Haïti, particulièrement le groupe et les syndicats des ambassadeurs comme l'ONU, BINU, OEA, CARICOM, sans oublier la France, les États-Unis, le Canada et l'OTIO, l'Union européenne. Et alors, vous participez vous-même également de la manifestation. Pourquoi c'est important pour vous d'être là ce soir? Pour moi, c'était très important pour soutenir le peuple haïtien, pour défendre leur cause, qui est une cause très légitime, et la concorde dans ces pays-là qu'il a tellement besoin en ce moment. Il faudrait faire une petite opération d'imagination. Imaginez la France, par exemple, aux mains des gangs armés. Imaginez la destinée de la France aux mains de dirigeants qui ont créé une situation telle que les gangs armés auraient pris, par exemple, le contrôle de la destinée de la France. Est-ce que les Français accepteraient une telle situation? Non, jamais. Donc, c'est la même chose pour Haïti. La communauté haïtienne est en colère. Ils ont décrété la permanence avec des manifestations presque chaque semaine pour être capable de dire non à ce système qui a placé le pays d'Haïti. J'ai l'impression que depuis la manifestation, pas eu pour la voie d'Haïti. L'autre point qui a devenu actualité à la communauté internationale là, continue à évacuer les citoyens qui ont vu dans le pays d'Haïti, après la France, c'est tout pas Mexique. Nous allons rejoindre Valé Saint-Louis de Bibi, New York. Ministère Affaires étrangères, ensemble avec Force la Marine, pays Mexique, évacué 34 citoyens mexicains dimanche passé, sortis dans la capitale pays d'Haïti à Port-au-Prince, à cause de crise insécurité actuelle là qui a dégénéré. Parmi les gens qui étaient évacués, il y a 24 garçons et 10 femmes, il y a tous 7 mineurs. Yo bateau ak yon hélicoptère la marine mexicaine te supporté opération apatriman humanitaire ça pour permettre citoyens mexicains qui t'ai exprimé volonté pour retourner la caillou évacuer sans danger. Opération qui t'ai coordonnée par chef ministère affaires étrangères Mexique là Alicia Barcena te répondre à situation insécurité ça qui vient plus grave en Haïti à cause groupe armé. Chef ministère affaires étrangères Mexique là te dit: nous identifions les citoyens qui étaient en Haïti. Et jour 31 mars, 34 citoyens ont été sauvés qui étaient Haïti. 24 garçons et 10 femmes. Parmi eux, 4 officiels ambassades et 7 mineurs. Dans une opération secrétaire la marine, nous avons été capables de sauver à bord d'un hélicoptère. J'en connais l'aéroport haïtien fermé depuis presque 8 mois. 34 citoyens et personnel ambassade mexicaine en Haïti étaient transférés à partir de vol par hélicoptère sortis dans un héliport qui est dans l'ambassade République dominicaine à Port-au-Prince. Groupe citoyen s'est arrivé dans Port Progreso qui est dans l'État mexicain dans la zone Yucatan. Chef ministère des Affaires étrangères mexicaine a continué à parler pour le dire. Comme vous connaissez, un conseil de sécurité présidentiel a été créé en Haïti qui a la donne 7 personnes avec 2 observateurs. Mais ça n'a pas garanti la sécurité. C'est la raison ça qui fait que nous décidons de faire citoyens nous tourner. Nous faisons un sondage pour nous voir qui moun qui veut retourner. Constate un groupe 243 moun parmi yo 163 citoyens français, 80 étrangers parmi yo moitié nan yo ces citoyens qui sorti dans pays Union européenne yo même tout yo té évacué quitté Haïti côté que yo té bloqué par situation insécurité chaotique ça yo rivé dans pays Martinique selon sa préfet département français pour Caraïbes là fait qu'on est. Ils ont déployé 3 bateaux qui sont dans la marine nationale là, dans le Fort-de-France. Donc parmi toutes les personnes qui sont arrivées, l'organisation a pu leur apporter la sécurité, le bien-être et la possibilité de souffler après un périple et des conditions de départ de Haïti particulièrement éprouvantes. Citoyens français ont pris retourner immédiatement en France après qu'ils ont passé une nuit dans le pays Martinique à bord d'un vol chartered que le ministère Europe là, avec affaires étrangères mettait à disposition. On est soulagés d'être là, oui, mais on laisse plein de gens derrière, donc ça c'est un peu difficile aussi. On laisse notre vie derrière pour le moment. La situation là-bas, c'est vraiment grave, grave. Parce que le peuple est dans son pays, se trouve dans un embargo local. Je vis là-bas depuis quelques années. Donc j'ai un peu tout laissé derrière moi en quelques heures. Donc c'est un sentiment mitigé. À la fois je suis contente d'être arrivée et à la fois très triste. C'était une décision pas facile à prendre parce que j'ai encore de la famille. Mais bon, il fallait penser aux enfants et c'était peut-être la seule possibilité d'évacuation des Français. Gagne environ 1100 citoyens français qui gèlent dans un groupe quantité de monde qui a double nationalité qui vivent en Haïti, d'après chiffres qui sortent dans Quai d'Orsay.
Évacuation citoyens étrangers soutien en Haïti ont été augmenté dernièrement à cause avenir politique pays a qui pendit dans déblousaille ça qui empêchait civils de quitter pays à nan moment dans un rapport qui était publié semaine passée expert en droit moun nan Nations Unies William O'Neill t'a demandé pour une action immédiate et prendre compte situation cataclysmique ça en Haïti pour VOA Creole Valerio Saint-Louis depuis New York. Et le gouvernement américain déporté un groupe citoyen guatémaltèque qui était essayé rentrer dans pays a par voie illégale en passant par frontière Mexique partagée avec États-Unis, Gentil Augustin Junior. Autorité américaine déporté plus passé 300 immigrants Guatemala qui t'a essayé passer sous frontière Mexique là pour entrer sous territoire tonton Sam nan, yon façon pour yo réaliser rêve américain. Moi pense que nous tous au courant des risques là et malheureusement nan processus pour chercher yon pi bon avenir, nous fait face à déportation. Nous déterminé pour nous passer tout processus là, quel que soit circonstance, quitte c'est bon traitement ou soit mauvais traitement. Ça c'est yon bagay nous doué accepter parce que li se yon pati nan processus migration. Malheureusement, nous pas dépend de droit moun. Nous dépend seulement pour nous rete vivant, pour nous réaliser rêve nou yo ak améliorer la vie nou. Nan souci pour décourager immigrants rentre illégal États-Unis, autorité américaine yo continue à déporter yo. Ayer lundi 1er avril 2024 là, autorité immigration Guatemala te dit que 3 vols qui te sorti États-Unis te porté 368 immigrants déportés rivé nan ville Guatemala. Déporté yo, c'est si tout immigrant yo te kenbe sous frontière États-Unis genyen ak Mexique. Dans l'année 2023, 11,424 moun te retourné. À partir du 31 mars année ça, 19,337 moun retourné. Alors, nous wè gros différence là. Augmentation quantité moun k'ap retourné nan pays a évident. Ça montre quantité moun k'ap essayé entrer illégal États-Unis, ça montre quantité moun k'ap essayé entrer illégal États-Unis ap continue. Moun yo continue ap quitter territoire Guatemala pour rive et réaliser rêve américain. Nan yon communiqué, Institut Migration Guatemala te déclaré plus avion ak Guatemaltèk que autorité américaine yo ap déporté gen pour rive nan mwa sa. D'après données officielles qui sorti Guatemala, États-Unis te déporté plus passé 19 000 immigrants nan pays Amérique centrale la sous 162 vols pendant l'année 2024 la. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Merci, gentil Augustin Junior. Et c'est avec Denis Patassa, on a mis fin dans le compte de jeudi. Et puis, si jeudi à tout, on a rappelé que Jacqueline a retourné et lui-même, c'est lui qui a pris place là demain. On était en vacances, nous souhaitons que l'on ait bien passé les vacances là. Donc, salut tout le monde. On remercie gentil Augustin avec tout notre genre, RVAB là, tout notre collègue qui était rendu. L'émission sera possible. Nous disons tout, nous passons un bon après-midi. Rendez-vous demain après-midi, mais face à avec collaborateur, nous, bras droit, nous, Jacqueline Vélizère.